Bonjour! Puisque c'est bientôt Pâques, aujourd'hui je vous apprends à dessiner un lapin. Alors, on va lui faire sa petite tête. Et on repositionne notre petite croix pour positionner les yeux, le nez. Alors, le nez, on part sur un petit Y. Voilà, qu'on ferme. Ici, on positionne les petits yeux. Les petites oreilles. Vous pouvez faire une tombée comme ça. Ça fait mignon. Pas forcément les deux droites, comme vous voulez. Ça dépend ce qu'il fait. Ensuite, on va descendre. Et on va faire un petit ovale comme ceci. Mais ici, il est plutôt assis. Voilà. Ici, ça va être un peu... Voilà, ses fesses comme ça. Terre. Alors, ici, on va faire sa petite patte un peu comme un U, mais un peu penchée. Et un dos un peu rond. On va le mettre dans les bras. Un gros œuf de Pâques, aussi gros que lui, qu'il a trouvé dans le jardin. Et une petite patte ici. Alors, on part sur le rond qui dépasse, qui porte. Petite cuisse et une petite patte qui dépasse de l'autre côté aussi avec ses petites griffes. Le ruban sur l'œuf de Pâques. J'espère que je vais pas trop vite. Et je vais repasser au stylo. Je laisse toujours un petit peu de blanc dans les yeux, les petites moustaches. Voilà, faites attention que les pattes ce soit à peu près la même largeur, du moins le diamètre de ça, soit pas trop gros par rapport à ici. Repasse mon œuf et bien sûr vous pourrez le décorer aux couleurs et aux motifs que vous souhaitez par la suite. Alors ici, hop, je repasse autour. Là, je vais plutôt descendre ici, la cuisse est derrière. Les petites griffes, donc là ça va être à peu près ici, hop, pour oublier sa deuxième patte, les petites oreilles, et pourquoi pas des petits sourcils. J'ai trouvé un œuf dans le jardin, on peut mettre des petites herbes. Petites griffes et les motifs sur votre œuf, des étoiles, des rayures, à vous de choisir pour le décorer et ensuite le colorier comme vous le souhaitez. Alors on peut lui rajouter un petit sourire. Et voilà. À bientôt pour le prochain cours et bonne chasse aux œufs, joyeuse Pâques.